Salut, c'est Hugo de Défi, je suis en direct de l'entrepôt avec un invité. Avant de vous le présenter, je vous parle de pourquoi il est là. Ça fait deux sondages de suite qu'on fait en lien avec les deux derniers défis, celui de la Côte de Beaupré et celui de Limoilou. On se rend compte d'une chose, les gens sont extrêmement satisfaits du service que les bénévoles offrent. Donc je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas inviter un des préféré de la gang. Les autres vont être jaloux, hein? Martin Hachon, bonjour. Hugo. Ça va bien? Très bien, merci. Pourquoi on fait du bénévolat? Parce qu'on peut pas s'en passer. Dépendance? Dépendance. Tomber en amour avec la gang, la manière dont ça fonctionnait. Donner aux autres les sourires qu'on reçoit, c'est les appréciations, justement, les résultats de sondage, comme tu viens de dire. C'est ça qui fait notre paye, c'est ça qui nous nourrit. Moi, je pourrais pas m'en passer. Là. J'adore travailler avec des entreprises et des filles pour l'ensemble de l'organisation des courses. La philosophie, comme je l'ai dit, là, ça vient vraiment me chercher, puis j'essaie de le redonner. Ben moi, on fait pas semblant qu'on se connaît pas, là, mais quand tu parles de la gang, tu parles de Daniel, Mathieu et un paquet d'autres à temps partiel ou occasionnel qui travaillent avec toi. Et les autres bénévoles aussi. Tu es là depuis combien de temps, je veux dire, comme bénévole, puis attaché un peu à l'organisation? 5 ans, 6 ans, là. T'es devenu un gars de la gang, on peut le dire. Oui, oui. Est-ce que tu capable de te passer de ça? Un peu comme, tu sais, je pose la question, puis je pense au mot dépendance, en lien avec l'endorphine, ce qu'on connaît nous deux comme courant. Serais-tu capable de te passer du bénévole? Il y aurait un gros manque dans ma vie. Non, je serais pas capable. T'aimes donner? Oui, j'aime donner, j'adore. Plus que recevoir? Oui, oui. Ça, c'est de la sagesse, ça. Quand c'est la même chose à Noël, j'imagine que Martin préfère maintenant donner à recevoir. Merci. Bienvenue. Bye.